Good morgen, allez, il y a une étude aujourd'hui, l'Irofuat, Yavka Batlea, Sarah Bat Nechama, Echana Lea Bat Gital Devora, Dor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contexte de 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Psachim, par exemple, Mishnah Gimel. Sacho Beshemen Truma, Im Chaburat Kohanim, Yochelu, Im Israël, Im Chayhu, Yedichenu, Im Tzalihu, Yklof et Achitzon. Sacho Beshemen Shal Maser Sheni, Loya Senu Damim, Albene Chabura, Shen Pudin Maser Sheni, Birushalayim. On continue à parler maintenant dans notre Mishnah de la manière de faire griller le Korban Pessah. Avec. On avait. C'est pas la peine de rappeler tout dans les détails, mais on avait expliqué dans la Mishnah précédente qu'il fallait griller nécessairement au feu. On avait parlé d'une situation où il y a la sauce, du jus, de la graisse, du Pessah qui sort, qui touche la paroi du four et qui revient en lui et qui se fait réabsorber, qu'il fallait nécessairement retirer cette partie qui est denetila. On va expliquer un petit peu cette notion après, parce qu'on va devoir la comparer avec notre Mishnah. Pour le moment, je commence à traduire. Sacho b'shemen truma. Et là, maintenant, il lui a étalé, il a recouvert d'huile de truma. Comme quand on fait des grillades, on peut les faire mariner dans certaines sauces avant de les mettre au feu. L'essentiel, c'est que le feu fasse griller, mais on peut le faire griller avec une sauce. En l'occurrence, là, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant que le Korban Pessah était en train de griller, ils ont pris de l'huile d'olive, par exemple, et l'ont étalé sur le Korban Pessah pendant qu'il grillait. Mais quoi? Le problème, c'est que c'était de la truma de l'huile de truma, qui est réservée au Kohanim. Alors la Mishnah me dit, bah, écoute, Im Chaburat Kohanim, s'il s'agit d'un groupe de Kohanim qui vont manger tous ensemble le Korban Pessah, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre de l'huile de truma aussi. Donc Yochelou, aucun problème. Im Israël, par contre, si c'était une Chaboura de Israël, par exemple, il y avait des Kohanim et des Israël qui étaient dans une même Chaboura, quelqu'un a pris de l'huile de truma et il l'a étalée sur le Korban Pessah. Alors la Mishnah me dit, ben écoute, Im Chayhu, si ton animal est encore, ta viande, ta chair fraîche, elle est encore froide, tu ne l'as pas encore fait cuire, eh bien Yedichenou, il pourra la laver. D'accord? On ne parle pas que la viande, quand elle est encore fraîche, elle est encore humide, elle n'absorbe pas le liquide externe, à la différence du pain par exemple. Peu importe, le pain ça absorbe la viande, même si ça sec. La viande, elle est de nature beaucoup plus lisse, elle n'absorbe pas. Et de ce fait, la Mishnah me dit, Im Chayhu, si tu as étalé l'huile d'olive sur le korban avant de le mettre sur le feu, alors maintenant, Yedichenu, il faudra juste que tu laves le Korban Pessah, il n'y a aucun problème. Tu vas le laver extérieurement et tu fais partir la petite pellicule d'huile qui s'est allée dessus. Par contre, Im Tzalihu, s'il était déjà grillé et qu'il était devenu chaud, le Korban, il était déjà chaud et donc tu l'as versé de l'huile de Trouma, il s'avère que maintenant, il a absorbé cette huile. Alors, la solution que la Mishnah me dit, c'est de faire Iklof et Mekomo. Il lui coupera, il lui épluchera et tachitson. Il épluchera la partie externe, c'est-à-dire il va la couper dans une fine pellicule d'un demi-etzba, il va supprimer la pellicule extérieure. Je reprends le cas. D'accord, retenez bien. Donc on a un Korban Pessah, je dois le mettre au feu. Avant de le mettre au feu, je vais lui étaler de l'huile dessus, comme ça quand il va griller, il va rester moelleux. Et quoi? Je me suis trompé, j'ai pris de l'huile de truma. Or, dans le groupe qu'on va manger, on n'est pas des Kohanim. Si on n'est pas des Kohanim, personne ne va pouvoir manger cette partie du Korban Pessah. Tout l'endroit où la truma a été absorbée. En l'occurrence, la Mishnah me dit, ben, tu épluches la partie externe, donc un demi-etzba. Si vous vous souvenez, dans la Mishnah précédente, on avait une petite nuance. On avait une situation d'une sauce, du rotev, de la viande qui va sortir du Korban Pessah, qui va se refaire absorber de nous. Et là-bas, on avait de la graisse qui sort et qui se fait absorber dans le Korban Pessah. Elle avait touché la paroi du four, elle était devenue interdite, elle s'est fait absorber. Du coup, on a un Korban Pessah qui a absorbé quelque chose d'interdit. Là, la quantité que tu me demandais d'éplucher là-bas, c'était pas Kedenetila. Juste de quoi prendre une petite pellicule. C'était pas Kedeklipa, c'était Kedenetila. Une épaisseur beaucoup plus grosse. D'accord? Alors quelle est la différence? Pourquoi ici tu me demandes d'en faire moins? C'est le Tosfot Yom Tov qui rapporte. Il nous dit non, parce qu'en fait, lorsque tu vas lui étaler de l'huile externe, c'est une toute petite quantité. Donc du coup,
n'y a pas de quoi s'absorber plus profondément. La différence de la goutte de gras qui sort du Korban Pessah, qui se fait absorber, elle va se faire absorber beaucoup plus profondément. Dernier sujet, Sachot Bechamen Shel Maaser Sheni. Il avait de l'huile de Maaser Sheni sur lui. Je vais expliquer, mais d'abord je traduis. Eloya Senu Damim Etse Albene Chabora. Il ne le transformera pas en argent chez les autres membres de la Chabura, du groupe. Pourquoi? Shen Potin Maaser Sheni Birushalayim. Car on ne rachète pas le Maaser Sheni à l'intérieur de Yerushalayim. Et j'explique, c'est pas compliqué. Il y a le Maaser Sheni, vous savez, dans la récolte agricole, il y a plusieurs prélèvements à faire. Premier prélèvement, Trouma Gdola, on donne au Kohen. Deuxièmement, c'est le Maaser Sheni, Maaser Rishon. On prélève un dixième, on le donne au Lévi. Et puis après, il y a le Maaser Sheni, qui est parfois Maaser Ani, ou parfois Maaser Sheni, comme on dit au Jalaim. Là, on parle du cas où je dois prendre maintenant ce perrot-là, ce deuxième Maaser, et la montagne au Jalaim. Lorsque j'ai le monté à Yerushalayim, j'ai la possibilité, si je veux, finalement, de transférer leur kdusha sur de l'argent. Et donc, j'amène que de l'argent à Yerushalayim. C'est plus facile, vous imaginez bien, s'il y avait des cargaisons de perrot Maaser Sheni, il va falloir les stocker, puis après les apporter à Yerushalayim. Je préfère les racheter avec de l'argent, et cet argent, je vais amener à Yerushalayim. Et là-bas, la Michel Latoral insistait que je ne devrais consommer que des aliments primipris vécus de l'Ekarka. On a déjà eu l'occasion d'évoquer le principe. Dans Hérovine, on en avait parlé déjà. Donc, ok, je dois passer à Yerushalayim et acheter de la nourriture. Maintenant, tant que je ne suis pas arrivé à Yerushalayim, j'ai le droit de racheter les fruits contre de l'argent. Une fois que j'arrive à Yerushalayim, je n'ai plus le droit de racheter les fruits qui sont contre de l'argent. Soit, si j'ai le Maaser Sheni, donc j'ai des fruits, j'ai une tonne de fruits de Maaser Sheni apportés à Yerushalayim, je peux les transformer, le transférer sur de l'argent. Par contre, si je suis déjà arrivé à Yerushalayim, je n'aurai plus le droit de transférer la gdusha des perrot sur l'argent. Ok? Ça provient du fait que la Torah m'a dit, je te permets de transférer parce que le Beth Amikdash il est loin de toi. La Yerushalayim c'est loin de chez toi, tu ne peux pas les transporter. Si tu as osé les transporter et à franchir le seuil d'Yerushalayim avec, tu n'as plus le droit de les racheter. Selon ce principe, maintenant, la Mishnah m'enseigne. Si toutefois tu as pris de l'huile de Maaser Sheni, autant que tu n'as pas le droit de racheter la Kedusha, tu n'as pas le droit non plus de la vendre à quelqu'un d'autre. Tu peux que inviter des gens à manger à ta table avec l'argent du Maaser Sheni, une fois que tu es arrivé à Yerushalayim. Donc du coup, la Mishnah me dit, quand tu vas recouvrir ton Pessah, Korban Pessah avec de l'huile de Maaser Sheni, vous pouvez la consommer, vous êtes à Yerushalayim, vous êtes pur, vous avez le droit de consommer le Korban tel quel. Mais si toutefois tu veux réclamer de l'argent des autres participants, que maintenant ils profitent de ton huile gratuitement, et bien tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que la Mishnah me dit, « Shen podin Maaser Sheni Yerushalayim » car on ne rachètera pas du Maaser Sheni à Yerushalayim. On ne le rachètera pas la gloucha sur un sur l'autre. C'est-à-dire, le Maaser Sheni, il est kadosh en lui-même. J'ai la possibilité, en théorie, de prendre une pièce pour le transférer à la gloucha, mais c'est que à l'extérieur du Yerushalayim. Quand j'arrive à Yerushalayim, j'ai plus le droit de faire des transactions avec. De ce fait, maintenant, t'as pris ton huile, tu t'es trompé, t'as pris l'huile de ton Maaser Sheni, tu l'as étalé sur le Korban, t'as plus le droit de réclamer de l'argent en contrepartie aux autres membres de la Chabura. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.